C'est par un petit matin gris et venteux qu'on est allé au parc du complexe environnemental Saint-Michel. Le parc, qui est toujours en construction, n'est pas encore tout à fait accessible. Il sera complété seulement en 2023. Mais tout récemment, y est apparu des structures insolites. Ces grosses sphères blanches d'à peu près 1,5 mètre de diamètre sont vraiment mystérieuses. Et on n'en parle nulle part dans les médias. Yo, ici, man. On est à Saint-Michel. Tout est bizarre avec ça. Écoute, il doit y avoir une... je veux pas dire 100, là, mais... Tabarouette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Écoute, elle a 50, 60. Mets-en 100, faire un chiffron, là. C'est vraiment malade, là. C'est la plus belle chose que j'ai vue aujourd'hui, là. Ça, puis les avions, là. J'ai envie de manger une poutine. Nicolas parle d'avion parce qu'il y a un corridor aérien juste au-dessus du parc. Est-ce que les sphères auraient un rapport avec les nombreux avions qui passent au-dessus du parc à tous les jours? Ou ce serait pas plutôt des cocons habités d'extraterrestres qui se préparent à nous envahir? Comme à chaque fois qu'on parle d'extraterrestres, le gouvernement nous cache des choses et il nous empêche d'accéder au site par une grande clôture qui fait tout le tour. Écoute, c'est ça ou c'est Airbnb qui a décidé de, de mettre des habitations un peu insolites dans Montréal? Je sais pas, man. Moi, j'aime. C'est soit les extraterrestres ou Airbnb. À vous de choisir. J'aime bien les extraterrestres. J'aime bien l'idée. Bon, en fait, en zoomant avec la caméra, on a bien vu qu'il y avait des valves et des tuyaux dans chacune des sphères. Et l'hypothèse qu'on a, c'est que ce sont des valves qui récoltent le biogaz. Biogaz présent à cause des déchets qu'il y avait dans le temps que le parc était un gigantesque dépotoir. J'imagine qu'on veut protéger ces tuyaux-là des gens qu'il va y avoir dans le parc quand celui-ci va être ouvert. Mais pourquoi de si grosses sphères? Et est-ce que tous les tuyaux de biogaz qui dépassent du sol vont avoir leur sphère? Tout plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Si vous avez des réponses à ces questions, venez partager votre savoir sur Montréal dans ta pipe. Et là-dessus, on se dit à la prochaine.